I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters. For those 10 seconds or less, I'm free. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec le frérot Kevin qui nous a ramené sa magnifique Chevrolet Chevelle. Ça se dit comme ça, frérot? Ouais, c'est ça. Chevelle ou Chevelle. Donc du coup, voilà, inédit sur la chaîne. Hein. Donc comme je l'ai dit quand je l'ai vu arriver, c'est la voiture de Toretto dans Fast and Furious. C'est ça. Donc bah dis-nous tout, c'est quoi comme moteur, elle est de quelle année? Alors c'est un 2 litres TFSI. 2 litres TFSI. Faut savoir que Kevin, alors je le précise, je vais vous mettre une photo là à l'écran. Kevin, c'était un passionné d'Audi, il avait une Audi, ouais, il est passé chez BM et après il s'est fait un petit plaisir, une américaine, donc c'est une bonne personne, il goûte à tout, un peu toutes les marques et ça fait plaisir. Et je pense que c'est la plus belle, même si je suis fan d'Audi, je pense que c'est la plus belle que tu as eue. Ouais, la S3 j'aimais bien, mais ça c'est un autre délire. Après S3 c'est beaucoup vu, là t'as vraiment quelque chose de rare, c'est rare ici, mais et on n'en voit pas beaucoup. Bah du coup, allez, sérieux, alors, quelle année? Allez, de 72. Son moteur, c'est pas son moteur d'origine, c'est un 5 litres 3 de 260 chevaux, je crois. Et là, il est un peu préparé, la bras cam a été changée. Elle fait dans les 300 chevaux. D'accord. Elle a une suppression d'inter, ou je sais pas comment on appelle ça sur ces voitures-là. Elle a une. Comment on appelle ça? Elle a des tiribombes. Ouais. Sortie. Donc elle fait un très beau bruit. Ouais, ça j'avais vu sur tes petites vidéos sur Instagram. Ouais, c'est ça. Et ça développe combien environ? 300 chevaux? Ouais, 300 chevaux, ouais. C'est surtout le bruit, le point fort de cette voiture, on va dire. Ouais, le bruit, l'extérieur, c'est une grosse carrosserie, ouais. C'est là, on voit la A8 à côté et franchement, elle est rikiki. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand on a une voiture, tu sais, qui est rare, quoi. Ouais, ça change un peu. Donc tu nous as mis les plaques noires vu que c'est une collection. Ouais, elle était comme ça, elle avait les deux plaques noires, moi j'ai retiré celle de devant. Ouais. Donc ça fait 2 mois que je roule comme ça, je me suis pas fait arrêter pour l'instant. Non mais t'as surtout le droit après. Hein. Ça je sais pas trop mais bon. Moi je te donne mon avis, t'as le droit. Hein. Bon bah si j'ai le droit, si je me fais arrêter je me dirais que... Tu dis que c'est moi le transporteur m'a dit que c'était bon. Voilà. Et du coup elle a été importée des États-Unis ou pas? Ouais. Parce que vu que t'as la plaque carrée je me disais... Ouais, moi je suis le deuxième propriétaire français. Le premier propriétaire, ça faisait à peu près 7 ans qu'il l'avait. Ouais, 7 ans qu'il l'avait, le premier propriétaire. Ouais, là, il l'a vendu pour un autre projet et j'ai sauté sur l'occasion. Et t'es sûr qu'elle appartenait pas à Toretto, Fast and Furious pour le film? Non, mais on sait pas, je te jure. Hein. Parce que tu sais, pendant le tournage, ils ont plusieurs véhicules. Bah alors peut-être, mais ils ont peut-être dû la modifier parce que là, c'est une 72. Et dans le film, c'était une 70. D'accord. Mais sinon, c'est la même. C'est la même caisse, quoi qu'il en soit. Ouais, bah, sauf qu'elle est en boîte auto celle-là et que dans le film, elle doit être sûrement en boîte manuelle avec 18 caisses. Du coup, dessus, les jantes, ça marche comment? C'est combien de pouces Alors, du 16, non? C'est pas de bêtises, c'est du 16. C'est des... Ouais, c'est... Non, du 15. Du 15, c'est du 15. Attends, on dirait que ça fait gros quand même. Hein. Ouais, bah, c'est des pneus, ils sont énormes. Ouais, c'est des pneus de malade. Ah, si je dis pas de bêtises. En 60 de hauteur. Wheels, je crois. Ouais. Donc, c'est le propriétaire, l'ancien propriétaire qui les a changés. Parce que quand elle arrive en France, elle avait des jantes tôle un peu pas très jolies. Et toi, quand tu l'as acheté, elle était comme elle est? Ou t'as fait des modifs? J'ai juste fait repeindre l'aile arrière parce qu'elle avait des défauts. Ouais, les bandes elles ont été faites. Les bandes elles étaient dessus quand je l'ai. Et c'est peint, non? Bah, ça a été peint, ouais. On dirait qu'à l'avant ça a été peint, mais sur la malle arrière on dirait que c'est covering. Attends, on sent une épaisseur. Je vais te dire, moi qui est professionnel de l'autocollant,
que tu vois, on sent une épaisseur. Alors, à moins qu'ils aient verni vraiment. Je pense que là, c'est du stickers qui a été verni après dessus. Ouais, ça, c'est un stickers avec du vernis. Là, tu sens, là, regarde l'arête là. Ah, même là, là, sur les arêtes, tu sens. Du coup, on va voir le coffre maintenant. Donc, ça s'ouvre de l'intérieur, hein, le coffre, c'est ça ou Non, 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 tu l'ouvres à la clé ici. Ouais. Ah, c'est du vieux coffre. Hein. C'est de la tôle directe. Ah ouais, mais c'est bien parce qu'il tient tout seul. Bah ouais, bah même le. Ah ouais, c'est de la. Tout seul, ouais. Ouais, là, t'es sur de la tôle directe là. Ah, il y a quand même un peu de place. Ouais. Tu mets tes courses et tout. Bah, moi, je l'ai refait il y a pas longtemps parce que quand je l'ai. Si, bah, ça aussi, c'est un truc que j'ai refait parce que quand je l'ai eu, le coffre était un peu. Avec de la rouille de surface. Ouais. Du coup, j'ai tout poncé, j'ai tout traité et j'ai tout repeint derrière. Donc, t'as tout repeint, tout poncé. Voilà, comme ça, au moins, je sais que s'il y a de la flotte qui y a dans le coffre. Et il n'y a pas d'infiltration là, t'es nickel. Si, un petit peu. Ouais, t'as peut-être 2-3 trucs à refaire. Mais... Quand il pleut vraiment beaucoup, j'arrive à refaire. Après, c'est une voiture plus sur le week-end et tout. Donc, non, mais elle est vraiment belle. Et niveau échappement, t'as fait quelque chose ou... Non, l'ancien propriétaire, il a juste supprimé, comme je te disais tout à l'heure, les inters. Il y a deux grosses cherry bombes rouges au milieu. Ah ouais. Après le pont. Ouais. Attends. Ça fait pas mal de bruit. Tu les verras peut-être plus sur le côté. T'as encore le silencieux à l'arrière. Il n'y a pas de silencieux là. C'est quoi le gros carré là? Ça, c'est un réservoir. Ah, je suis con, c'est le réservoir. Il est là. Tu mets l'essence par là? Ouais, c'est ça. Ils peuvent rien comprendre, les gens, à la station. Tu fais bien chier à la station. Ouais. Comme ça, t'as pas l'air d'un con. Et le tuyau, le flexible, il va jusqu'à là? Ouais, parce que tu te mets en travers. Non, tu peux te mettre des deux côtés et t'as le flexible qui est assez long pour aller derrière. Ouais, ils doivent virer les gens. Ouais. Ouais, elle est vraiment super. Les petits stickers, c'est qui a mis? Ça, c'est moi, mais je pense que je vais les enlever parce qu'avec le soleil, ça. T'as vu, on a vu dans la fenêtre. On a vu dans le reflet. Ça va faire des buts, t'inquiète. C'est toi qui as rajouté? Ouais. Non mais t'as bien fait, genre un peu le style américain tout, mais nickel. C'est bien parce que maintenant t'es parti dans un délire state. Ouais, tu vas t'acheter des petits pulls américains, ouais. Tu vas manger des burgers. Ouais, tu les verras peut-être mieux là. Ouais. Ouais, j'ai la tête qui tourne. De toute façon tu verras au démarrage. Centralisation ou pas? Non. À la clé. À la clé, ouais. Ah, c'est vraiment la classe avec les rétros là, comme dans les films, franchement c'est ouais, trop. C'est joli, ouais. T'es là, tu fais le beau gosse et tout, tac. Et ça se règle à la main directement. Ah, ouais, direct, ouais. Donc là t'es à la clé. Ouais, c'est le truc électrique que t'as dans ce bagnole, je pense que c'est l'éclairage du compteur et le poste. D'accord, ouais. C'est bien quand il n'y a pas trop d'électronique. Ah bah la batterie elle suce pas. Il faut bien voir le moteur du coup. Ouais, hein. Vas-y, je trouve ça. Je te disais, l'ouverture elle se fait là. Oh là là, le V8 américain. Voilà. Là, t'as de la place pour bricoler là-dedans. Ouais, franchement, ouais. Là, tu peux bricoler tranquillement. Putain, la pluie, elle va tomber, ça va partir là. Ça, c'est quoi le filtre à air? Ouais, c'est ça. Un moteur de fou, hein. Ouais, c'est un gros bébé, hein. C'est vraiment une voiture de fou. Bah écoute, frérot, tu nous la démarres parce que là, il va pleuvoir. Après, tu vas nous faire les axels, on va tout enchaîner là. On va réveiller les morts. Allez. Oh, c'est quoi ce truc de fou? Oh, elle fait un bruit. Oh là là. On dirait qu'il y a deux Harley Davidson. C'est bon, je la vends, demain j'ai ta naissance. Ah, c'est trop la classe. Je peux me permettre une pause. Je vais me faire un petit plaisir. Oh là là, la vraie voiture de Fast and Furious. Bah écoute frérot, tu nous fais des petites axelles là. On va les faire ici. Tu passes devant moi là dans la ligne. Tu fais 2-3 allers-retours et après on va faire un petit tour. Vite ou pas, hein? Oh! Ouais, ouais, c'est vrai que ça doit être. Hein? Ouais, mais on s'en fout quand tu vas partir. Oh, ça a bougé!
Oh, il faut que j'achète ça, moi. Oh, elle est énervée, sa voiture. Il va où, Kevin? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il se passe? Elle est belle, hein. Franchement, elle est magnifique. Moi, j'aime bien les voitures un peu atypiques comme ça. C'est trop la classe. Bah ouais. Il a raison, ça fait plaisir. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est trop bien. Faudrait bien qu'il passe devant moi. Là. On se casse, on s'en va, on y va, on va faire le tour, je vais récupérer ma sacoche, c'est bon, hein, nickel, hein. On a la miniature, on va faire le tour, attends, je vais prendre ma sacoche, ça tourne, j'ai jamais vu ça, on m'a jamais fait un truc comme ça, je te remercie. En bas. Et il n'y a pas pour l'épaule? Non. D'origine, il n'y a même pas de ceinture. Merci, frérot. Je bon, te laisse me guider. Bah, c'est parti, il faut que tu partes du parking. On s'en va vite de là. Hein, c'est bon, la 8, c'est pas grave hein, si on me l'emmène. C'est pas grave. Moi, oh, t'as fait un truc de fou. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, c'est le gravier qui colle au rouge, je pense. T'es déjà monté derrière ou c'est la première fois? Il y avait une RS5 garée. Ah ouais, la grimace. Ouais, il y a la grimace qui arrive. Ouais, je crois qu'il était en train d'appeler au micro. Va là, va là. Là-bas? Ouais, faut qu'on se tire là. Bon, c'est mort, tu m'as grillé pour mes vidéos. Je dis pardon. Quand tu reviendras, tu reviens tranquille. Hein. Il faut que tu ailles à gauche au stop. Ah bah vas-y, va à droite alors. Si tu veux entendre du bruit. Ouais, vas-y, vas-y. Et ça marche quand même? C'est couple, après je trouve que ça... Après moi j'ai l'habitude de la S3. Ouais, après c'est vraiment le bruit, bah, t'as la patate au départ. C'est ça. En vitesse de pointe, t'as pas de pointe là-dessus. C'est je pense pas, franchement. Ouais. Après c'est pas une voiture très rassurante, donc à 130 sur l'autoroute t'es déjà... Ça vibre. Ouais. Après c'est un plaisir. Après ça a du couple, là, c'est le couple. Les Américains c'est ça, le couple. Et ça coûte cher sans modification au niveau de l'achat? Ouais. Alors moi je l'ai payé 26. Et c'est les prix ou ça vaut? Genre il dit que ça valait plus cher. Ça dépend de l'état en fait de la voiture. Tu peux trouver en trouver à 20 000, ouais. À 40, 50. J'ai même vu une cabriolet à 130 000 sur le bon coin. Donc, Après c'était pas le même modèle, c'était la 70. Ah ouais. Petit porte-clés Chevrolet. Rappeler dans quelle voiture on est si jamais tu l'as. Et ce petit bouton, c'est le nitro. Ça, ouais. C'est l'ancien proprio qui a installé, c'est l'alimentation du poste. D'accord. C'est juste une ligne en fait. Et là, t'as une petite boîte à gants. Ouais. Je peux. Ouais, vas-y. J'ai enlevé le flingue de toute façon. Ah, t'as enlevé le flingue. John Wick. Ah, mais c'est trop la classe. Hein. C'est vraiment une caisse de film. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'habitude la ceinture comme ça là. Ça fait bizarre. Hein. Ouais, en plus elle te... je suis bloqué. Après enlève là au pire. Hein. Non. Jamais. De toute façon, il y a pas d'airbag. Ah, il y a pas d'airbag? Non. Et il y en avait pas dans les zones. Non, rien du tout. Ouais, putain, ça fait des couilles. Je suis du coup à gauche. À gauche, ouais. Pour aller au tunnel.
fait, il y a des secousses. Ouais. Étoilé bientôt, hein. T'oublie pas de me contacter, hein. Donc, par le transporteur. Ça attend de toute façon. Ouais. Le rond-point va à gauche. Hein. Cayenne aussi, tu sais, le 4-8-5, là, ouais, le V8, là. Ça vaut que dalle en plus, c'est 4-4 maintenant. Ah bah ouais, ça a bien décoté, vu l'entretien dessus. Ouais, laisse tomber, suspension pneumatique. Moi j'ai les suspensions pneumatiques sur la. Ouais. J'en ai déjà changé un seul. Ça vaut super cher. C'est énervé, hein. C'est vrai, on est bien confortable. Hein. Ouais, après je fais pas 400 bandes dedans. Ouais, bah tu aussi. Ouais, t'es bien, hein. T'arrives à nous faire un beau demi-tour ou pas? Attends, il y a des voitures, fais gaffe, fais gaffe. Vas-y.
vendez ça des US alors le. Ah non mais c'est je connais ça. Ouais, c'est Start Bar. Ah bah on leur fait une petite pub. On n'est pas très loin de toute façon, on arrive dans 5 minutes. Ouais. Oh, tranquille elle c'est, hein. C'est pas bon. C'est bon. On va garer la chevelle, on va partir avec la 8, on va revenir, elle y sera plus. Ah ouais par contre ça, ça vous fait pas peur, c'est toute la balle. On a voilà. Elle est assurée touriste. Non mais on va faire un petit tour vite fait. Si ça te fait plaisir hein. Ouais, vas-y, avec plaisir. Ouais. Là-bas, la tour. Là, c'est bon, là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Au feu à droite. On va se calmer si on arrive près du Leclerc. Ouais. Bon, bah, du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Je remercie fortement Kevin d'être venu me présenter sa Chevrolet Chevelle. Et en tout cas, j'ai vu que tu as marqué cheville, mais c'est un, cheville, c'est, ouais, un diminutif ça, que ouais, tu as voulu, ouais. Parce que moi, je t'ai dit, je connaissais pas changer. Trop. Je pense ouais. Que je vais juste mettre la fin KJRDN vu que je change tout le temps de bagnole. Non, tu mets Toretto du 6-9. Vas-y, je mettrai ça ce soir. Bon, en tout cas, on te remercie d'être passé. T'hésites pas à revenir nous voir avec ta future voiture. Ouais. Voilà, parce que je sais que tu as plein de projets en cours. Et voilà. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et en tout cas, bah, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.